golden days, drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track of time. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog dominical. Alors, ce dimanche, eh bien figurez-vous que j'ai commencé par faire un petit peu de couture dite utile. Vous me voyez en train enfin de me lancer à faire une housse pour ce fauteuil qui est un fauteuil IKEA pour ne pas le nommer. Voilà, et j'ai décidé de m'y mettre enfin. Alors, je vais la faire dans ce tissu à carreaux Acufactum. J'en avais acheté un peu plus de manière à en disposer pour mon usage personnel. Voilà, donc je vais tout simplement faire ça de la façon la plus simple du monde. J'ai pris mes mesures, j'ai plié en deux. Je vais coudre un petit peu ça comme un sac, hein, tout simplement. Voilà, de la façon la plus simple du monde. Et ensuite, je fermerai l'ensemble. Voilà, alors, c'est parti. Le tissu se tient vraiment très, très bien. Je n'ai pas besoin de mettre d'épingle. Ça, voilà, il est extrêmement stable. Alors, nous arrivons à la fermeture. Je vérifie que tout va bien. Je ne l'ai pas lavé avant, donc il va sûrement rétrécir un tout petit peu. C'est parfait, j'avais prévu ce petit rétrécissement. Voilà, alors je vais tout simplement faire deux petits revers de cette manière-là, après les avoir surjetés. Et je vais fermer avec des pressions. Voilà, je vais regarder celles qui peuvent convenir. Là, c'était un petit peu trop blanc. Alors voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, toutes mes pressions sont donc prêtes. Hein. Là, ça n'a pas vraiment d'importance si je me trompe de sens, ce qui m'arrive assez fréquemment puisque ça me fonctionnera dans les deux sens. Et voilà, c'est parti pour ce mode de fermeture rapide, pratique et qui me satisfait totalement pour ce genre d'ouvrage. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way is colder, but the day's not over yet. Alors, dans ma lancée, je couds une seconde housse pour un second fauteuil. Voilà, ça sera plus simple. Je vous montre ici la manière dont je fais toujours tous mes ourlets. Je ne les marque jamais avec des aiguilles ni avec quoi que ce soit. Au doigt, je fais toujours un retour de la largeur de mon pied de biche. Voilà, quels que soient les ouvrages, je fais toujours pareil. Vous voyez, j'ai la largeur du pied de biche. Avec mon doigt, je sens la largeur du tissu. Je le maintiens comme ça et je fais le tour de mes ouvrages. Voilà. J'ai toujours fait de cette façon-là. Je n'ai jamais de problème. Vous voyez, tout simplement, je fais un genre de rouleau. Ça se fait un petit peu au toucher. Voilà. Je vous montre un petit peu comment je fais. Voilà, seconde pose de pression et deuxième housse faite. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Je fais quand même un petit tour dehors et avec très grande surprise, c'est la première fois que je vois ça, mais peut-être que vous le savez, les asparagus que je laisse à l'extérieur, parce que j'en ai quand même pas mal, et bien ils ont fleuri. Je ne savais même pas que cette plante verte fleurissait. Alors c'est très joli, ça fait comme des petites grappes, comme des petites clochettes plutôt. Voilà, peut-être est-ce que ça vous est arrivé, je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive, est-ce que c'est parce qu'ils sont en extérieur, je ne sais pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vais repartir pour faire un petit peu de couture. Cette fois, toujours dans un tissu à carreaux Acufactum, je vais faire
Je vais faire refermer les rideaux de ma chambre que j'attends de refaire depuis très longtemps. Pareil, de la façon la plus simple du monde, j'ai pris mes mesures, je surjette, si bien qu'après il me restera simplement à faire un petit rebord de manière à faire l'ourlet, voilà comme je vous montre. Et puis de nouveau une couture qui attend depuis bien longtemps qui sera faite et je suis vraiment tellement contente d'avoir fait ça ce dimanche. Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. Alors, je vais bricoler un petit quelque chose en utilisant des courgettes. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment, c'est vraiment la pleine saison. Allez, c'est parti, je vais d'abord les râper. Ensuite, je vais les mettre à dégorger. Alors, pour ce faire, vous les saupoudrez d'un peu de sel, voilà. Vous mettez un petit peu de sel. Vous n'oublierez pas de ne pas ressaler au moment de votre préparation. Voilà, vous répandez un petit peu le sel comme ça. Et puis moi, pendant ce temps, pendant que ça dégorge tranquillement, eh bien, je vais monter à l'atelier. C'est le moment de parler un tout petit peu tissu. Alors, tissu, que vous dire qu'il est extrêmement difficile en ce moment de pouvoir se fournir en tissu. On est tous concernés, enfin en tout cas tous ceux qui vendent du tissu, d'une manière générale à peu près sur la presque totalité des marques de tissu. Il y a quelquefois jusqu'à 6 mois de retard, tout est décalé dans le temps. J'ai dû annuler certaines précommandes parce que des précommandes de printemps arriveront au mois de septembre, donc je les ai annulées. C'est très très compliqué d'avoir des tissus. Vous voyez, j'attendais aussi les tissus de la collection Bell & Boo Michael Miller. Ils arriveront aussi en septembre. Mais voilà, mais écoutez, tant pis, c'est comme ça, on fait avec. Les pierres lapins, mes chers pierres lapins qui devaient arriver au mois de juin, eh bien ils arriveront fin août. Alors ça, j'ai tout conservé parce que les pierres lapins, même si ce sont peut-être des motifs un petit peu plus... alors si des motifs d'automne arrivent ou arriveront, je l'espère, en tout cas cela reste intemporel, hein, ceux qui vont arriver fin août, donc ça ce n'est pas un problème, je les conserve très très précieusement comme collection. J'espère que ceux de l'automne arriveront dans la foulée, je ne sais pas, sinon écoutez bien, ils arriveront courant de l'hiver, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est très très compliqué d'obtenir du tissu et avec ce décalage dans la saison, c'est encore plus compliqué. Vous pouvez très facilement vous retrouver avec des collections qui vont devenir tout simplement invendables. Alors croyez qu'en ce moment, je traque le moindre morceau de tissu et que c'est un petit peu compliqué. Voilà, on ne va pas nier non plus un certain ralentissement économique. Alors, je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis quand même décidée, sachez-le, pour une box d'automne. Et j'ai passé toutes les commandes pour la box d'automne. Voilà, je vous en reparlerai. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, je me suis lancée. Il reste toujours le tissu qui me pose problème, mais j'ai quelques pistes et donc tout devrait normalement être raccord. Voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant les tissus. On va faire au mieux concernant les tissus. Voilà, on va faire au mieux. Sachez que j'ai quand même repassé vous voyez que je reste très très optimiste. Une grosse commande aussi de nouveau de Pierre Lapin. Alors ça sera la saison qui normalement paraît en
février 2025, donc ça sera pour le printemps prochain. Ils sont vraiment très très jolis. Voilà. Écoutez, ils arriveront quand ils arriveront. Je les ai bloqués parce que ben, les pierres lapins, est-ce que vraiment on peut envisager de faire sans des pierres lapins? Moi, je dis non. Non, non, non. Pierre lapin, nous l'attendons tous avec beaucoup d'impatience. Pierre lapin et tous ses amis, bien entendu. Voilà pour les petites nouvelles tissus. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous dire, mais finalement, non. Je suis dans l'attente des Tilda d'automne. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'avais commandé un gros réassort de Tilda de printemps qui normalement était disponible pour juillet. Il s'avère qu'il n'arrivera pas avant fin septembre. Eh bien, un petit peu la mort dans l'âme, eh bien, j'ai annulé cette commande. J'avais fait vraiment un très gros réassort. Mais l'expérience me fait dire qu'à partir du mois de septembre, les tissus de printemps ne se vendront plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont je suis bien certaine. Voilà, donc j'ai effectivement annulé cette commande. Je sais très bien qu'à partir de septembre, comme je l'ai dit, eh bien, vous allez déjà basculer dans les tissus d'automne. But I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. Cause for some odd reason I don't believe it in this one thing I adore. What is loving anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go. Now I carry the load, took off in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. Cause for some odd reason I don't believe it in. Allez, sans transition, je vous retrouve avec cet ouvrage. J'ai décidé également de travailler dessus cette semaine, comme il y a, je dispose d'un petit peu plus de temps. Voilà, je vais peut-être mettre des bandes autour, je ne sais pas encore exactement. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est que je vais finir tous les petits carrés. Vous voyez qu'il en manque. Si déjà je termine tous petits carrés, les petits cœurs, voilà, à disposer dans les carrés. Allez, c'est parti, je me lance déjà dans ça. Alors, ce n'est pas si simple qu'il y paraît, parce qu'en fait, faire le tour de ces petits cœurs, c'est un petit peu compliqué. Voyez surtout cette partie-ci là, voilà. Vous passez votre temps à tourner le tissu, voilà. Écoutez, pour m'aider, il faut absolument que je vous parle de ces petites aiguilles. Alors, je vous en parle, ce n'est pas, très honnêtement, ce n'est pas parce que j'ai quelques boîtes en boutique. Je vous en parle parce que c'est une très très belle découverte. Vous voyez, ce sont les petites épingles dorées de sajou. Ce sont des épingles qui sont spécialement pour l'appliquer. Vous voyez qu'elles sont toutes petites. Alors, souvent, quand vous faites des ouvrages comme ça, très précis, des appliqués, mais aussi certains autres, vous vous piquez les doigts sans arrêt quand vous mettez des grandes épingles. C'est très gênant. Eh bien là, pas du tout. Regardez comme elles sont petites, comme elles sont pratiques. Alors, il faut un petit coup de main pour les attraper et les mettre. Mais alors, quelle découverte. Je suis tellement contente.
Je suis tellement contente. Je vais regarder combien il y en a dans cette petite boîte. Alors, ce sont, voilà, 1000 petites épingles. Vous avez de quoi faire. Voilà, en laiton, il n'y a pas d'autres indications. Vraiment, je suis ravie de cette découverte. Donc, je vous la partage. Alors, voilà, tous mes petits cœurs sont posés. Je vais mettre un petit coup de fer à repasser quand tout ça sera terminé. Je suis en train de préparer mes bandes. Peut-être, je me suis aperçue avec le recul que j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu sur les couleurs, mais enfin, un petit peu davantage sur les couleurs. Voilà, je vais déjà mettre ces bandes. Alors, pour ce faire, je vais utiliser cette fois ces grandes épingles. Pour celles qui me l'ont demandé, je vous mettrai une référence en dessous. La référence de l'endroit où je les ai achetées. Voilà, c'est parti. Je couds mes bandes et puis je vais vous montrer le résultat. Alors, je l'ai fixé temporairement sur le mur avec de la pâte à fixe de manière à ce que vous puissiez bien le voir. Je suis tellement contente, si vous saviez comme je suis contente. Je l'aime énormément. Regardez comme il est joli. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus sur les couleurs. Mais alors, ça me va parfaitement. Voilà, la suite un petit peu plus tard. You want me to wake up. But I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I've found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. Alors, je ne peux pas rester sans vous remercier. Vous remercier du fond du cœur pour l'accueil qui a été fait à ma vidéo de la semaine dernière, mon petit hors-série sur la mercerie ancienne et sur la marque Sajou. J'ai été touchée par vos commentaires. Je les ai bien sûr tous lus. Certains m'ont même fait venir les larmes aux yeux. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je compte répondre à tout le monde. Je le ferai à mesure parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Mais je ne me vois pas ne pas vous remercier. Comme je vous l'ai dit, vraiment, des commentaires, oui, qui m'ont particulièrement touché. Vous savez que je suis très attachée au patrimoine, mais pas seulement, bien au-delà du patrimoine, je suis attachée aux personnes et à toutes les petites mains, quelles qu'elles soient, qui contribuent au quotidien à faire des choses. Et parler de ces personnes, de ce qu'elles ont fait, c'est un petit peu les garder aussi avec nous et ne pas les oublier. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup cet aspect qui vous a touché, je pense, et qui me touche, moi, en tout cas, particulièrement dans tout ce qui est matériel ancien, histoire ancienne, au-delà de la grande histoire que j'aime beaucoup. Me touche bien entendu tout particulièrement la petite histoire, celle des gens ordinaires, qui très souvent d'ailleurs s'avèrent être extraordinaires quand on creuse un petit peu. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, mais je ne me voyais pas ne pas vous remercier vraiment encore du fond du cœur. Donc ne vous désespérez pas si je ne vous ai pas encore répondu. Je compte le faire, vraiment, chacun de vos mots, je l'ai dit et je le redis, m'ont beaucoup touché. Soyez remerciés pour cela.
Alors, avant de vous quitter, je vais vous parler quand même un petit peu de Melazambi. Voilà, il y a une collection sur l'Écosse qui n'est pas arrivée. J'ai commandé quelques éléments. En tout cas, je vais vous parler un tout petit peu, alors pas très longtemps, hein, de cela. Parce que si je ne vous en parle pas, vous ne les aimez pas, vous ne pouvez pas les aimer. Alors, il s'agit de la collection Heirloom. Alors, c'est une collection de printemps-été de cette année, voilà. Alors, cette collection a été faite dans le but de célébrer d'une manière générale les floraisons printanières et estivales de la campagne britannique. Vous voyez ici le floral joy, donc joie florale, un tissu extrêmement gai comme son nom l'indique. Alors, c'est pour ce motif-ci, il a été inspiré par une œuvre peinte à la main. Alors, le Marguerite Meadow, lui, est un imprimé qui est quand même assez dense, hein. Le tissu est bien rempli du motif. Alors, pour ce motif, justement, a été recherchée une esthétique rétro subtile. Voilà, ce motif a été travaillé dans ce sens, un motif un peu stylisé avec un contour assez fin. Voici le Posy Sprigg. Alors lui, pareil, il est inspiré d'une œuvre d'art, d'une peinture également. C'est un motif de fleurette, alors qui n'est pas dense du tout, hein, dispersé. Je suis un peu embêtée, la couleur, ce n'est pas du tout ça. Là, vous voyez un bleu un petit peu layette. Je vais, voilà, essayer de mettre une autre couleur à côté, voir si ça me permet d'avoir quelque chose de plus exact. Pas du tout. Pas du tout. Alors le bleu de ce tissu est un bleu plus soutenu qui tire légèrement vers le bleu canard, un petit mélange comme ça. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous rendre la couleur exacte. En tout cas, vous pouvez voir que les tissus sont faits pour s'associer ensemble. Voilà le Posy Sprigg, un motif donc qui fait partie de la même collection. Et il y en a un dernier que je vous montre immédiatement. Alors, je suis en train de vous dire une bêtise, ce n'est pas un tissu qu'il me reste à vous montrer, mais c'est deux dans cette nouvelle collection printemps-été. Vous voyez ici le Hedgerow Bloom. Alors là, c'est un motif très opulent, j'ai envie de dire. Un motif d'anémone, comme vous pouvez le voir, mais il y a également des roses. Alors, c'est effectivement un motif assez dense, très gai. Je n'ai pas trouvé l'inspiration de ce tissu très joli avec un fond un peu profond. J'ai juste trouvé qu'il avait bien entendu été dessiné par le studio Liberty pour cette collection printanière et estivale. Alors, tout à fait autre chose, le Little Bud. Alors, petit bourgeon, littéralement, et c'est tout à fait ce que représente ce tissu. J'ai un amour particulier pour celui-ci. Figurez-vous qu'il m'a même fait penser à certains tildas, à certains motifs de tildas. Voilà, alors là, un très petit motif. Il n'y a pas énormément de petits motifs dans les tissus Liberty. Alors, celui-ci, donc, en fait partie pour cette collection. C'est très gai, c'est très printanier, voilà, c'est très joli. Comme je vous l'ai déjà dit, il m'arrive quand je les trouve, de racheter certains tissus d'anciennes collections parce que ben, ils sont quand même intemporels. Ici, vous voyez un mami inspiré des motifs traditionnel des années 30. Alors ça, c'est vraiment un motif qui est décliné non seulement en Tanalone, mais en Lazenby, en plusieurs coloris. Je l'ai donc racheté. Celui-ci, qui est Harley Gardens, je crois. Je vais le voir écrit plus loin, mais quand je vous parle, je ne le vois pas. Voilà, alors celui-ci, je l'ai acheté également en deux motifs parce que voilà, c'est un tissu que j'aime beaucoup. Donc, vous avez cette couleur-ci. Et la couleur plus dense dans les tons de rose, rouge, voilà. Un très joli motif également, qui je trouve à sa place dans une collection, j'ai envie de dire, permanente printemps-été.
Harley Gardens. Voilà, je ne vous ai donc pas dit de bêtises. Le botaniste Blossom, alors lui, on voit très très bien qu'il a été dessiné au crayon de couleur. Alors un motif floral, certes, hein, vous le voyez vous-même, mais vous voyez bien le tracé du dessin. Voilà, c'est un motif dessiné au crayon de couleur qui est très joli, très printanier. Ce sont vraiment des tissus qui vous mettent quand même de la gaieté dans le cœur et dans les créations, il faut bien le reconnaître. Les couleurs en sont très, alors là un petit peu pastel, mais très gaies d'une façon générale. Alors je vous parlais des petits motifs, et bien j'ai remis la main sur un petit motif que vous voyez ici, le Suffolk Field. Alors, comme je l'ai mis dans la fiche produit, alors là, c'est un charmant petit motif qui dégringole sur le tissu avec beaucoup, beaucoup de gaieté. C'est comme des petits pointillés, vifs, joyeux, exubérants. Un très joli petit tissu qui, lui aussi, a des petites allures de Tilda. Je ne vous en parle pas davantage, mais je sais que vous appréciez quand j'essaie de vous trouver l'histoire de certains tissus, de vous en parler de manière, comme je l'ai dit, à vous les faire aimer au moins autant que moi je les aime, si c'est possible. Voilà, je vous laisse pour la suite de ce vlog. Bien, en fait, nous arrivons à la fin de ce vlog. Alors, il y aura une pause estivale pour la boutique au mois d'août, même si je ne sais pas encore ni quand exactement, ni comment. Voilà, de toute façon, tout le monde est un petit peu en pause, je le vois, et c'est très bien comme ça. J'espère que vous allez bien profiter de votre été, si c'est possible. Si vous ne pouvez pas partir, j'espère que vous saurez profiter de moments de repos, de moments de détente, de moments où vous ne ferez rien également. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, on va se... Écoutez, nous allons nous quitter là. Normalement, je vais continuer les vlogs, je pense, tout l'été. Je pense que ça fera aussi plaisir à ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de partir. Je vais en tout cas faire de mon mieux. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence, de votre soutien à ce vlog. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Je ne le dis pas souvent, ce n'est pas vraiment pas quelque chose auquel je fais attention, mais c'est quand même important. Merci à tous ceux qui le font et qui partagent également. J'ai beaucoup de mal à être présente sur Instagram par un manque de temps et j'en suis désolée. Je sais qu'il faudrait que je sois plus présente. Je fais au mieux, mais j'ai vraiment un très gros manque de temps. Je vais essayer de m'améliorer en tous les cas dans tous ces domaines-là. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. When the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes.